Bon, me revoici le temps juste de mettre dans les fichiers. Voilà. Bon, on est reparti, reprendre. Alors exactement là où on en était. Alors. Équipe 1, Gna. bureau du président, ok. Équipe 2, pont inférieur, ok. Turbulence. 3 Équipe octobre, 3, débiteur, 18h30, ok. 30 secondes, Andrei Kharkov, agent du On arrive FSO en russe. retour dans 2 heures. 2,96 et je peux Équipe 1, tomber. restez avec le président jusqu'à l'atterrissage. Ok. Air Force One, non? Vassili veut te parler, papa. Il veut que je lui donne ma réponse. Air Force One des Russes. Ah, j'aime pas cet homme. Comme tout le monde. C'est pour ça qu'il est si doué, Elena. Que vas-tu lui dire? La vérité. Ce n'est pas ce qu'il va entendre. Et blablabli, et blablabla, c'est nos affaires de famille, il moi n'a je m'en pas le fous de choix. ça. Bidou. Je te verrai au dîner. Dans l'ascenseur, hein, même pas. Monsieur le Président. Vassili. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Les Russes. Messieurs, nous avons un choix à faire. Paix ou guerre, vie ou mort. Et pour le bien de nos enfants, nous devons rétablir la paix. Monsieur le Président, ce n'est pas le moment d'apaiser nos ennemis. Nous détruirons ces ennemis en les changeant en alliés. Même si nos différends subsistent, au moins... Des coups de feu! L'avion a été détourné! Ils sont dans le cockpit! Monsieur le Président, à terre! Équipe 3, au rapport! Youpi! Je vois un gentil. Un gentil russe. Bon sang, équipe 3, rapport! Tout le monde à terre! Protégez le Président! Code rouge, je répète! Bon, je crois qu'ils avaient compris que c'était un code rouge. La classe! Emmenez le Président à la salle sécurisée! Vous avez vu, il y a quand même mon copain devant. Mais non, l'avion va pas se crasher. S'il y a pas de pilote, oui, il va se crasher, mais s'il y en a un... Je me suis fait tuer parce que je pouvais pas me replier sur la droite, dommage. Attends, j'étais bien caché ici. Là. Bien ça, là. Oh, pas... oh c'est vrai, on a pas grand grenade avec elle. Elle est toute petite là. La case 74, ouh, on a une arme comment. Ah, c'est ça, une AK. Non, mais regardez ça! Mais c'est impossible quoi! Regardez tout le monde qui sont avec nous! Il y en a aucun qui essaye d'au moins en tarter un quoi. Ouais, comme ça, j'éclenche le spawn plus rapide. Aïe! Ouais, je dois tirer sur lui. Oui, là, je sais que c'était lui. Mais... Ouais, sinon ouais, je tire autant que toi. Non. Même pas. C'est faux, je me suis allongé, pas d'endroit. Ouais, tout ça pour passer cet endroit, fallait juste avancer. C'est quoi cette bête qui est là? Allez, il va me tuer une bonne shot. Hey, sors de ton trou, c'est bon, les bonnes. A mon avis, en vrai, ça m'étonnerait qu'on tire comme ça dans un avion. Hein. Ça ferait des trous, ça serait pas très cool pour la crue. Désolé. Hein. Ah, un chest. Oh, le bug de son que j'ai eu. Oh putain. Eh hey, mais mes collègues là, ils avancent pas aussi. Ouais ben le baron Einstein, qu'est-ce qu'il a? Ouais, enfoiré, ouais c'est bien. Ouais, je suis déjà crevé, ouais, c'est pas. C'est moi le jeu, il a des bugs de son. J'arrête pas de crever, je sais, mais je crois que le jeu il a des bugs de son, mais sérieux quoi. Bon allez, fais-tu quand tu veux toi. Allez, sors ton trou, toi. Je vais virer un truc. Aide à la visée. Ah, voilà. Ça, déjà, ça sent moins ce que ça change.
Ouais, par ici, monsieur. J'ai pas vu tout ce que vous avez, mais par ici, monsieur. Pour aller dans les montagnes russes. En plus, on a un russe. C'est ça, ça. Montagnes russes, deux russes. Je sais pas comment il m'a vu, il est caché là-bas, tu sais. Bon, quand je le vois avancer, j'avance. Monsieur le Président, restez à couvert et baissez-vous. Laisse dégager. Impossible d'ouvrir la porte de ce but. Wouah. Trop bien ce coup. Trop bien tué. Alors, on sa maman. Je saute, ça me pousse vers la gauche. Non, oh, mais pourquoi vous l'avez habillé comme les autres, quoi? Putain, je dois tout refaire maintenant. Homme de con. Ouais, ah, bah voilà. On avance comme des vrais soldats, on partout. J'ai vidé je sais pas combien de balles, mais pas trouvé. Donc on va s'énerver, on va balancer des grenades, mais c'est dommage, on en a pas. Ah! Regarde! J'ai envie de dire, c'est mon copain. Ah non, pas mon copain. Pas cette fois. Ah bah, gauche. Ah bah. Wow, regardez ça, même les cartouches. Où est-ce qu'il est, quoi? J'avais même pas tué. Oh, trop bon. Vous êtes trop bons, les gars. Oh, j'adore la latence qu'il y a entre le moment où tu tires sur la vitre là et le moment où elle explose. Ouais, j'attends le petit. Ouais. Il doit y avoir un PC en deux points. Bon, vas-y, va te faire crever. Oh, c'est Chuck Norris. Donc il met une arme à feu. C'est bon, on a la fille. Là, on se crache. Je vais te faire une partie. On a le président dans la salle sécurisée. Arthur, fais l'erreur, avec moi. Au revoir. Les fauteuils, non, on peut pas y les faire. Wouah, c'est intelligent ça, les gars. Ouais, ouais, wouhou. Me suis pris. Avance, ça va être pareil. Ah non, je vais pas. Moi, ça me gêne pas. Hein. On se crache pas, ça me gêne pas. Moi oh, j'attendrai là. Au revoir. Ah, c'est vrai. Même pas. Il y a même pas. Comment ça m'a tapé en arrière? Trop bon. J'adore, il y a même pas de. Comment on appelle ça déjà dans. Démantisation. On n'est même pas tiré dehors alors que normalement on est tiré dehors. C'est très bizarre. Ouais, on s'est crashé en avion, tout le kérosène est sorti dehors et on a encore envie. Debout, agent Arkoff, on doit trouver le président. Ouais, l'ombre est super mal faite, comme dans n'importe quel jeu. À part certains jeux qui sont super bien faits. Ouais. Je suis bourré ou quoi? Ouais, ouais, je sors de fête. Mais. La dernière fois, je prends un whisky concorde. Wow. Mais qu'est-ce que tu fais avec le Kalachnikov, toi? Oh, regarde. Dieu. On risque de mourir à tout moment. Trouvez la fille et mettez-la en lieu sûr. Ouais, on a la fille. Allez, mais trouvez la fille. Elle est là, bande de cons. Ils sont cons. Bon, le président, il est dans les coins, là. Oh mon dieu, un gentil, un méchant. Un gentil pour ma part, mais un méchant pour eux.
Oh, on arrive, monsieur le président. Aïe! Ne vous inquiétez pas, on arrive. Les hélicos sont là! Venez, monsieur le président! Même pas lui. Il s'en fout, quoi. Même. Monsieur le président! Président! Président, on vous a pas trouvé. Mais j'y vois rien, moi, ici. Je vois même pas les bonhommes, quoi. Si on me mentir, je vois pas les bonhommes. Est-ce qu'on peut partir assez loin? Toujours vérifier dans les coins s'il n'y a pas quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut voir? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Quoi? Oh pff. L'excuse de à deux balles, quoi. Mais c'est vraiment galère, hein. Sans lui mentir, je vois. Quoi? Eh, dans le dos, quoi. Dans le dos. Dans le dos. Putain, mais. Eh, ils nous servent vraiment à quelque chose, nos potes, hein. Eh, vive les programmeurs, hein. Elle est conne, les gars. Elle est conne, elle est trop précise et en plus, elle est trop conne. Vu que je vois rien d'ici, mais regarde, c'est moche les textures. Pixelisé, quoi. Tiens, ils seront des milliards avec ce jeu et ils sont même pas foutus pour faire une bonne sortie, quoi. Pour faire une bonne qualité graphique. Trop dur, c'est ça, trop cher. Mon dieu! Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu! Comment trouver l'endroit où on est invincible parce qu'il se sent des plus longs. J'ai rien dit. Ouais, je te suis, c'est ça, ouais, t'es derrière moi. Tu devrais avancer. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Excusez-moi, c'est que je me concentre un peu si vous m'entendez pas tout le temps. Ouais, sur tous les lives de jeux vidéo. Regarde, toutes mes vidéos sont faites en live, bien sûr. Je n'écris pas de texte. Non, parce que dans les textes, je ne sais pas quoi dire, alors que lorsque je fais la vidéo devant moi, je sais... Ah, donc, qu'est-ce que je peux dire? Mais sinon, je ne sais pas. Mon dieu! Quoi? La classe! Alors, leur effet de flou est trop mal foutu. Ouais, la clé, je t'en touche. La clé, non, non, je t'en touche. En face, non, à gauche, non, derrière, oui, non. Je vais mourir, là, je vais parler tout ce que vous voulez que je trouve. J'ai failli crever. Mon dieu, c'est vrai. Désolé, on l'avait oublié. Belle explosion, les gars. Oh, on pourrait au moins prendre leur véhicule, là, au moins, à la place de marcher. Je m'étonnais qu'on perde du temps à le chercher, quoi. On marche. En plus, il y a le contact et tout. Pourquoi ils sont morts tous les trois en même temps? Hey! Atterris sur moi! Non, quand même pas! J'ai pas envie de recrever à cause d'un truc. Ouais, il faut partir tout de suite. Tiens, pilote. Ça, c'est le vieux truc des anciens jeux, quoi. C'est pixelisé, regardez bien, c'est pixelisé le reflet. Il y a même pas de pilote. Attention, le pilote va paraître! Même pas. Attends. Makarov! T'es trop gentil! Bon. Connard Makarov. Paf. Ah, je suis mort. Bon, vous savez qui je suis? Oui. Alors vous savez ce que je veux? Vous êtes fou. La Russie prendra toute l'Europe, même s'il n'en reste que des cendres. Les codes de lancement, monsieur le président. Je ne vous dirai rien.
Tout le monde a un point faible. Trouvez la fille. Non. Ils ont tué le garde. Fais chier. Comme par hasard. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. En gros, je vais faire mission par mission. Trophée. Le président russe n'est jamais pas arrivé à Hambourg pour la conférence de paix. Sa position étant actuellement inconnue, il est difficile de dire ce que... On dirait que Makarov vient de nous dévoiler ses cartes. Il est entré en scène et il veut que ça se sache. Voilà comment sous cette chasse. En Afrique, Makarov se sert d'un groupe paramilitaire local. Il l'utilise pour faire entrer des cargaisons en Sierra Leone. De là, elles sont expédiées au Maroc. Et ensuite vers l'Espagne. Il va vers le nord. En direction du pays de Sa Majesté. Et c'est quoi la cargaison ? Aucune idée, mais pour lui, c'est très important. Alors je la veux. On peut utiliser le fleuve pour se rapprocher. Il y a une usine dans le camp où ils stockent les cargaisons. Mais la milice mène une guerre de génocide dans les Highlands depuis des mois. Ils seront partout. Makarov ne prendrait pas autant de précautions si ce n'était pas important. Et il est possible que ce fumier soit là en personne pour diriger le tout. S'il est à nouveau en scène, alors nous aussi. Mais je crois que Makarov au début était gentil. J'ai plus l'histoire en tête. Chut, pas de bruit. On n'a pas enrayé le fusil. Nikolai, on est à l'extérieur du village. Entendu. Je vous récupère dans une heure. L'usine n'est pas loin d'ici. La cargaison de Makarov devrait être là. Ne faites pas de bruit. On y va. Faites pas de bruit, t'as vu comment tu parles, con. Ouais. Ne vous faites pas repérer. La milice occupe toute la zone. C'est bon quoi, j'ai un sniper. Soap, ne meurs pas cette fois. Occupe-toi de tes fesses, l'ancien. Pourquoi on joue pas Soap? C'est nul ça. Les véhicules approchent. Un couvert. C'est regardez ça. La classe quoi. La classe ce bug quoi. Tu sais ça part de sa main quoi. Et voilà. Ça recommence et ça fout. En avant. Ouais, pas de soucis en avant. Quoi? Faut suivre l'homme au chapeau. Deux ennemis, à 11h. Éliminez-les. C'est où 11h? 2. PAN! PAN! Ouais, vous auriez pu m'aider, bande de cons. PAN, toutou! Quoi, c'était une hyène? Oh. Ça m'énerve ça de... Hop. Là c'est mieux. Ils vont cramer ce pauvre gars. Allumons-les avant qu'ils l'allument. À toi Yuri. Éliminez-les. Bon, on l'a sauvé, oui. Il est passé où, Lia? Non, si, je sais rien. Ennemi droit devant. Ne tirez pas, ils sont trop nombreux. Je crois que je l'ai fait plein de fois, ça, dans le code. Ne faites rien de stupide, les gars. Non. Tu tires, je te tue. Inaperçu quoi, il y a tout le monde qui nous regarde mais... Oh, il y a personne qui nous... Quittez la route. Baissez-vous, vite. Doucement. Comme dans chaque Call of, on peut avancer même si... Oh, l'herbe un tout petit peu pixelisé. C'est dégagé. Ah
Pas bouger. D'accord, si tu me pousses. Qu'est-ce qu'il a? Waouh. P90. Non. PP19, je sais plus comment il s'appelle. Deux autres sur le pont. On va devoir les éliminer. Attendez que le camion passe. Tuez-les. Allez. Mais moi je peux pas le faire. Bande d'égoïstes. Oh la bassine qui traverse le caillou. J'adore les éléments du décor, comment ils sont posés, c'est toujours mal fait. Bon, t'arrives, Sop. Crypté. Crypté pas. C'est quoi ce son de taré? Regardez. Il est pixelisé et en plus le reflet il est mal fait. Je vois l'usine, elle est au bout de la route. Moi je vois aussi les gars qu'on va starter. D'accord, sopez-moi en avance. Yuri, tu fais le guet. Mets-toi en position sur le toit et couvre-nous. Pas de soucis, Mark. Oh, désolé. Oh, sniper. Ennemi en approche, à 5 mètres. Où ça? Je vais me tarter les deux à la fois. Putain, mais alignez-vous. Ouais, puis merde. Hein. Allez vous faire foutre. On s'est fait griller. Non. Ouais, c'est mieux. Non, j'ai envie de les tuer en fait. Je vais les tuer. Ennemi en approche, à 5 mètres. Deux autres à l'ouest. Éliminez-les. À l'ouest, à l'ouest, à l'ouest. À l'ouest, à l'ouest. Je monte. Une autre patrouille sur la route. Neutralisez-la, vite. Neutralisez-la, vite. Putain, presque 3 en une balle. On avance. On rentre. C'est bon. RS, c'est dégagé. Cet endroit est désert, bordel. Nikolai, l'usine n'a rien donné. Aucune trace de Makarov. On s'est fait rejeter. Ah, ah non, j'aurais pas dû avancer au final. Alors on y va. Ennemi en approche, à 5 mètres. Éliminez-les. Je monte. Une autre patrouille sur la route. Neutralisez-la, vite. Headshot. Mon monster kill. Elle était ouais, belle là cette fois. Toujours. Hop là. Nickel. Et nous RS, on filme. C'est dégagé. Cet endroit est désert, bordel. Oui, ils sont tous là. Ils sont au café. Aucune trace de Makarov. Il a dû rejoindre le quartier général de la milice, dans le centre-ville. Alors on y va. Attention, on est la compagnie. On s'est fait griller. Yuri, cours. Touche sur moi. Une personne. Y aller. Dingo comme d'hab. Yuri, en avance. Allez en enfer. Hop là. Non, je vous laisse vous démarrer. Bon, on va passer par les toits, on est intelligent. Bonne et mauvaise à la fin. Allez, va de là. Va de là.
sonore. Pourquoi vous l'avez foutu en solo? Ouais, tu sors à peine le bout de ton nez, ça fait déjà que t'es là quoi. C'est fini la IMBot là. Hein. C'est moi où il a traversé la porte. Oh youpi, la pression. Oh bah putain c'est pas vrai. Eh oui, t'as pas de gilet pare-balles, t'as rien. C'est dégagé. Par là, allongé. Oh je sais qu'après je douille avec la mitreuse. J'ai jamais fait le jeu mais j'ai vu des gens y jouer. Les Chitamen par exemple. Yuri, par ici. Sans vous mentir putain. Ils doivent savoir qu'on est là. Mitreuse, seule la cargaison de Makarov importe, on avance. Parce que j'en ai vu elle. Yuri, prends le calibre 50 pour un tir de couverture. Allume le véhicule. Et tout. Sur les anciens modèles. Ah c'est bon, ça n'a plus droit que tout le monde hein. Ah non, c'est bon. Ok, je crois que c'est un VPC là. Ou pas. Peut-être pas. Elle aurait pu nous tomber dessus tout de même. Oh, qu'est-ce que c'est trop bien. Donc la milice se dirige vers nous. Ne vous arrêtez pas où on est mort. Je sais pas pour où je dois passer. Mais... Je ne m'arrête pas, je coupe tes ordres. Animation pour montrer les trucs top. Arrêtez de pomper les anciennes idées quoi. Il est un peu à inventer là. Je connais tout des musiques de V2 là. Ah, il tire au mortier depuis 7 tours. Oh. Ah, ils sont... Putain, mais qu'est-ce que tu fous là, Price? Oh. Il est moral pique, il dort. Leur Price, je suis mort. C'est quand qu'ils inventeront à ce que nos copains puissent nous réanimer style à la kill zone. C'est bien ça. Il tire au mortier depuis 7 tours. Paf, une balle. Il tire dessus, ça l'a pas pris. Paf, une balle. Paf, deux balles. 3, je suis mort. 1, 2. Plusieurs miliciens arrivent vers nous. On va les accueillir comme il se doit. Yuri, utilise le mortier sur le toit. Ils ont leur compte. Tire au mortier. Utilise le mortier et descends ces fumiers. Je vois deux véhicules et un groupe de soldats. Allume-les. Oui. Dans le village, il n'y a que des ennemis. Si quelque chose bouge, tire au mortier. Oui, mais il pourrait y avoir des informations à comment on fait pour si on peut quitter le mortier au moins pas pour cette mission ou pas. Là c'est un peu chiant. Yuri, utilise le mortier sur le toit. Ils ont leur compte. Hop là, c'est pas chaud, non. Tire au mortier. Eh oui, tire au mortier, on se les gars. Utilise le mortier et descend ces fumiers. Je vois deux véhicules et un groupe de soldats. Dans le village, il n'y a que des ennemis. Si quelque chose bouge,
J'ai même pas quitté le mortier, c'est quoi ça? Continue de tirer au mortier! Ça suffit pour l'instant! On bouge! Tout ça pour ça. Pour il faut rejoindre l'église! On a pris beaucoup de temps! Ah, ok, on court. Pagé! J'ai été déjà devant toi, couillon. Là. Et wouf, 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 wouf. Il y a des hyènes ici, c'est pas des chiens. Oh, merci de me faire traverser le. Nikolai, on approche de l'église. Tu es sûr que la cargaison sera là? C'est le seul endroit où ils ont pu la stocker. Si c'est pas le cas, c'est qu'elle est déjà en route pour l'Europe. Espérons qu'ils se trompent pas! Ouais, qui se trompe pas. Youpi. Ah! Mon dieu. Je vais me faire du tir de suppression, ça leur fait pas peur. Quoi. Je suis caché. Des fois, je me demande dans quel œuf si on a vraiment des jambes. Parce que là, quand même, vous voyez, je sors à peu près la moitié du corps. Dehors, et je suis toujours. Et vu qu'ils sont précis comme des lapins. Un lapin, c'est pas dit, il est facile. Non, vous ne tuerez pas. Doucement. Mort. Ça vous va? Eh ben non, faut qu'il trouve des gars qui veulent. La flotte est mal faite. La flotte est très longue. Triste bête, putain. Hein, de quoi? Cachez-vous? D'accord. Cachez-vous, putain. Eh, c'est chiant leur script à la con. Et voilà, le script s'est engagé. Les fenêtres! Pas de soucis, je suis. Les fenêtres! Eh, on est bloqué par un pneu, quoi. Un pneu. Eh, même pas une poubelle, quoi. Une poubelle qui nous bloque, c'est impossible. Maintenant, je sais qu'avec quelques outils, si c'est la guerre, ne jamais se faire tomber une poubelle. Le gars, il se prend une balle de sniper, il se prend une balle. C'est impressionnant. On avance. Ah, il est rempli d'action. Oh, et désolé, hein, t'as pas passé. Précis comme le hibou. Ah, je les laisse faire le ménage, hein. C'est vu que maintenant ils peuvent une les gars. Jusqu'à, laissez-moi passer. Ouais. Là, par contre, l'ambiance elle est bien rendue, hein. C'est vrai que c'est explosif. Non. L'église voit pas connaître, c'est ça. Il déplace la cargaison. Ouais, on a plus de temps dans l'église. Ça marche pas d'y aller rapidement. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Vache, voilà l'appareil. Il
déplace la cargaison. On a plus de temps. Dans les glisses, vite. Je sais pas, mais je crois que je les ai pas fait tout. Les munitions. On avance vers l'église. Ah, non. Ah, oh. C'est de l'allemand. Du russe ou du polonais, on sent. C'est une langue. On avance vers l'église. J'ai un fuyard. Vous voyez, on avance. Je sais qu'il y aura des hyènes après. Oh, mais putain. Eh, hey, mais vous commencez franchement à me gonfler, là. Ah, mais c'est pas possible, quoi. Allez, je trace. Eh, hein. Hey, oh, putain. Eh, hey, mais c'est un handicapé, notre gars, en plus, quoi. Eh, hey. Hey, va caguer, va caguer. Culé, là. Putain, je suis à peine accordé, j'ai déjà perdu de la vie, quoi. Merde. Ouais, mais un télo, quoi. Un télo. Et ceux qui ont fait ce jeu, ils sont vraiment intéressants. Mais je peux rien faire. Super les gars. Ouais. Youpi. Wouhou. J'adore ce jeu, quoi. Putain, vous allez me retrouver déglingué à la fin de la vidéo, quoi. Des vidéos. Crève. Crève. Oh mais merde. Moi je veux. Ouais, bouge-toi. Ah! Ouais, y'a des toutous là. Oh, Yen. Pas des toutous, mais c'était Yen. Captain Price, tu ne m'aurais pas. Pourquoi tu te prends comme moi alors qu'on est derrière mon allié pile devant? On avance vers l'église. On est déjà à l'église, non, ouais. On est à ce que deux pécous au fond. L'église est dégagée! Regroupement devant la porte! Ouais. D'accord les gars, allons-y. Ouais, troisième. 40 hélicoptères. Ça sert vraiment à rien ce qu'on fait. Yuri, regroupement, allez. Je crois qu'on va se prendre une chier ici. Ah, le gars. Sale tête coucou là. Makarov pouvait bien chercher. On le demandera à ce fumier quand on le trouvera. Des explosifs. Et voilà. Partie 4 terminée ici à plus de 38 minutes de vidéo. Encore un trophée x2, je parie. Ici la station Corse, nous avons intercepté un message crypté. C'est fait. Le colis est en route pour Londres. Et voilà, vous pouvez voir ma performance au jeu de Call of Duty, je suis bien nul. La France vient d'intercepter un appel parlant d'une livraison suspecte qui donc doit voilà, arriver je vais faire comme tout à l'heure. On a identifié le transport. Non, chef, c'était un numéro de frégatin industrie sur liste de surveillance. Appelez le MI5 donc, et dites-leur que nous avons une menace imminente. Bien, messieurs, que savons-nous? Rien de précis. La branche spéciale recherche les personnes dignes d'intérêt. Mais à mon avis, il vaudrait mieux confier les menaces de niveau 1 au SAS. Appelez Air Ford tout de suite. Chef, j'ai cru comprendre que des ennemis inconnus attendent un colis. Nous vous transmettons tous les points d'entrée possibles. Attention, la nature du paquet est actuellement inconnue. Bien reçu, mon équipe se prépare. Nous serons sur place d'ici une heure. Soyez sans crainte, chef. Quoi qu'ils aient pu prévoir, nous y mettrons un terme.